C'est dans la région d'Annecy que nous retrouvons Yann, un fanatique d'aquariophilie. Il élève une variété de poissons qui le passionne. Yann, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour nous parler de ta passion. Mais il n'y a pas de quoi, ça me fait toujours plaisir. Alors, cette passion, le discus. Pourquoi le discus ? Le discus, ça a toujours été un poisson réputé difficile à maintenir, difficile à reproduire, avec des couleurs magnifiques. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. C'était tout de suite un vrai challenge pour moi. Quelle est l'origine du discus et quelles sont les différentes variétés ? C'est un poisson qui est originaire d'Amazonie. Dans le milieu naturel, on va recenser, on va dire, quatre grands groupes de couleurs. On va retrouver du discus équel, on va retrouver du brun, du bleu et du vert. Et après, par le biais de la sélection, l'homme a réussi à développer un panel de couleurs bien plus vaste. Dans les couleurs unies, on va avoir le discus red melon, les discus bleu diamant, les snow white, par exemple, pour en citer que quelques-uns. Dans les discus à patron, vous allez avoir les turquoises, les léopards, les red spotted snake skin, les pigeons blue par exemple. Le panel de variétés est vraiment énorme et ça ne se limitera pas aux variétés que je viens d'énumérer ici. Par rapport à un aquarium classique, y a-t-il des critères spéciaux pour le discus ? Tout d'abord, je pense qu'il faut que l'aquarium soit pensé pour ce poisson-là. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un poisson qui a un mode de vie grégaire. Il faut le maintenir en groupe. Il ne faut pas hésiter à le maintenir par groupe de au moins 5-6 individus minimum. Dans le cadre d'un aquarium d'ornement, si c'est pour mettre dans son salon, il faudrait que ce soit des petits poissons calmes, qui ont les mêmes modes de vie que le discus, ou les mêmes besoins en tout cas, que le discus soit vraiment le plus gros poisson de l'aquarium. Il faut lui offrir aussi une bonne qualité d'eau, de préférence peu minéralisée et légèrement acide. Être rigoureux sur les entretiens et assurer des changements d'eau réguliers. Un aquarium d'un bon volume. Et enfin, une nourriture de bonne qualité et surtout variée. Ah, variée comme nourriture, qu'est-ce que tu penses à quoi plus précisément ? Ben, on trouve sur le marché divers types de granulés pour les discus. Moi, ce que je vous invite, c'est à pas hésiter à regarder les compositions. Ouais. Vous avez aussi des aliments lyophilisés. Ça offre une bonne source de nourriture pour nos discus. De temps en temps, il ne faut pas hésiter à donner du congelé. Vous pouvez aussi de temps en temps donner de la pâtée que vous faites maison, à base de crevettes, de moules, d'épinards. Alors ça, c'est ton truc maison. Oui, c'est vraiment de temps en temps. J'en donne vraiment pas beaucoup, une ou deux fois par semaine. La base d'alimentation pour moi reste le granulé et l'alimentation lyophilisée. Et de temps en temps aussi, je donne de l'alimentation vivante, ouais. Des artémias. Et si vous essayez des artémias vivants, vous verrez que les poissons, les discus particulièrement, ils apprécient énormément. D'accord. Tes connaissances te permettent de faire de la reproduction. Tu peux nous en dire un mot ? S'assurer que les poissons ne soient pas parasités. Vous équipez d'une cuve d'une centaine de litres. Bien préparer l'eau, température 28, 30 degrés, une conductivité de 80-90 microsiemens, c'est ce que j'utilise chez moi. pH d'une préférence légèrement acide. Et peu ou pas de nitrate. Donc, par le biais de bons changements d'eau. Ouais. Donc la femelle va pondre ses œufs sur un support vertical. Les éleveurs utilisent généralement
un support en terre cuite ou en PVC. Une fois que les ovules sont déposés, le mâle vient les fertiliser tout de suite après. Donc les œufs vont éclore le troisième jour. Ça dépend un petit peu de la température de l'eau. Plus elle est chaude et plus l'éclosion interviendra rapidement. Et les alevins vont rester attachés à leur support jusqu'à à peu près le troisième jour. Pendant ce temps-là, les parents vont s'en occuper, les prendre dans leur bouche, les nettoyer, les recoller sur leur support. 3 jours après l'éclosion, les alevins vont commencer à nager librement, c'est-à-dire se séparer du support et venir nager en eau libre. C'est justement à ce moment-là qu'intervient toute la magie du discus. C'est un poisson qui a une particularité au niveau de sa reproduction. C'est ce qui en fait tout son charme. Vous verrez les alevins virevolter autour de leurs parents et venir grignoter sur leur dos leur alimentation. Quelques jours après la nage libre, on va compléter l'alimentation des alevins avec des nopplies d'artémia et que l'on donnera régulièrement afin de soulager les parents. En grandissant, les alevins vont s'intéresser de plus en plus à d'autres types de nourriture. Donc on pourra commencer à donner des petits granulés fins, par exemple. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on va commencer à les séparer de leurs parents. Le moment de la séparation peut être assez stressant pour les parents comme pour les alevins. Il faut agir avec dextérité et calmement. Une fois le transfert effectué, on va les nourrir à peu près entre 5 et 6, 8 fois par jour, toujours en petite quantité. Comme il faudra les nourrir souvent, vous n'aurez pas d'autre choix que d'embaucher votre femme et vos enfants, surtout les enfants. Au fil du temps, Yann s'est investi pour partager ses connaissances et sa passion. Pour cela, il a choisi des moyens modernes de communication, un blog, Facebook, Twitter. Grâce à fanaticdiscus.com, son blog, il est devenu un chroniqueur discussophile reconnu. Dernièrement, tout s'est un peu accéléré parce que tu as participé à la rédaction d'articles dans la presse. Oui, c'est vrai. J'ai collaboré avec le magazine de Bernd Degen qui s'appelle Discus Live, c'est un magazine allemand. Tu es là, tu nous montres Oui, je l'ai, il est là. J'ai présenté le Discus Show d'Arvers en France, c'était le France Discus Show sur lequel j'étais invité pour participer en tant que membre du jury. Ouais. Et après j'ai aussi participé sur un article français dans le magazine, enfin c'est un livre, dans le Discus Yearbook de Michael Schoenfeld, c'est celui-là aussi. Et pareil pour présenter le France Discus Show d'Arvers. C'est celui-ci. Ici est en édition bilingue, anglais-allemand. Oui. Bon, je ferai un effort pour apprendre l'allemand et l'anglais. Ça marche. Et puis après, au niveau français, justement, c'est plus. Je commence à une collaboration un peu plus étroite avec le magazine Aquamag. Et Aquamag, c'était pour le France Discus Show aussi, et plus récemment, le Discus Show d'Athènes, où j'ai été invité aussi à participer en tant que membre du jury. Et c'était une super belle manifestation, j'ai voulu partager ça avec les lecteurs de Aquamag. Moi ça me fait plaisir de partager avec les gens qui ont envie de lire les histoires que je peux raconter. C'est super. Merci, merci. Dernièrement, tu as également participé en tant que juge à des concours internationaux de discus. Oui, j'ai été invité comme membre du jury à Arvers au France Discus Show l'année dernière. Et dans la foulée, j'ai été aussi invité en Grèce pour être membre du jury aussi sur le Discus Show d'Athènes. Des projets dans l'immédiat? Oui, j'ai d'autres projets. Dans pas très longtemps aussi, va se dérouler un Discus Show, un concours
en région parisienne, à Paris, à Grigny exactement. Ils m'ont invité à prendre part en tant que membre du jury. Nous allons donc te remercier de ton accueil et nous allons continuer et terminer ce reportage avec d'excellentes images de Discus. Merci. Merci à vous.